Bonjour et bienvenue sur mon tout nouvel épisode de ma série de Let's Play sur Diablo 2 Resurrected. Alors, on est à l'épisode 21, que le temps passe quand même, ça veut dire qu'il y a déjà eu... C'est le 21e dimanche. Waouh. On va essayer, je vais essayer de faire en sorte que ça va pas, ça dure pas un an quand même. C'est plutôt bien parti pour que ça fasse un an. Allez, je suis pas là pour bavarder. Je vais lancer le jeu. Alors la dernière fois, j'ai réussi à faire la quête numéro 4 et numéro 5. J'ai fait les deux en même temps, mais ça a été vraiment galère. C'est limite si j'étais pas dans un épisode, dans une version Elden Ring ou Demon's Souls de Diablo. Je suis mort une paire de fois. Je vais essayer cette fois-ci de mourir un petit peu moins. Allez, avant de commencer, je vais disparaître pour vous laisser quand même l'aperçu complet du jeu. Hop, et voilà, et puis là. Allez, c'est parti, on va jouer. Là, cette fois-ci, je vais avancer dans la quête numéro 2 et la quête numéro 6. Ah, je me gourre toujours. Voilà, voilà, voilà. Alors, journal de quête. Vous voyez, il me reste la quête numéro 2, donc le bâton au Radrim. Apporter le bâton au tombeau de Al-Racha. Le symbole du vrai tombeau de Al-Racha. Alors, vous voyez, le 2, quête 2 et 6 vont ensemble. Allez, c'est parti. Je sais exactement pas où je dois aller. Alors, on va peut-être faire un petit tour... J'ai pas beaucoup de potions. Je vais essayer l'Aura Dream. J'avais vu que peut-être je pouvais sortir certaines choses. Alors, on va faire de la place. Tac. Et toc. Alors, apparemment, on peut l'utiliser pour dessertir, transmuter. Non. Alors j'ai pas un endroit où j'ai serti des trucs là. Ah non, j'ai rien qui est serti. Bon, peut-être que ça sert à rien ce que je vais faire. Donc autant avancer dans le jeu. Voilà. Alors, il y a peut-être des choses que je peux quand même me débarrasser. Ces trucs-là, je vais les vendre. Bonjour madame. On va aller juste à côté, donc on va les vendre. Je vais en garder... Je vais garder quelques trucs quand même. Voilà. Hop. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a des trucs que je peux vendre? Je m'en sers jamais. Donc on va pas s'embêter avec ça. C'est quoi ça? Potion de... Hop. Je préfère vendre. Le reste, on va le garder. Alors, je vais voir si je trouve quelqu'un qui me vend des potions. Bonjour à vous. Non, peut-être là-dedans, là. Hein? Hein? Parlez! Hein? Il est pas là le marchand? Heureux de vous voir! Ah bah tiens, mon gars, toi. Toi, tu vas me servir. Ah, quel bonheur ce bruit! C'est bon. Oh, et je pense que j'ai fait quand même le nécessaire. Je vais regarder quand même ce qu'elle a d'intéressant. En armes, en armure. Alors, comparer. Ah, et je peux pas comparer l'incomparable, hein. C'est dur ça. Ah, c'est pareil. Des gants, j'ai des gants. Comment voulez-vous que je compare? C'est...
Tant pis. Allez. C'est parti. Alors, je vérifie juste un petit truc. Je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Ok. Allez, c'est parti. Alors, si je... Je vais baisser un petit peu le son dans mon casque. Voilà. Alors, si je me trompe pas, le passage est en bas. Mais je vais devoir me refarcir tout ce monde-là. Ouais, là, 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 y a pas un passage plus simple? Non. Allez hop. T'inquiète pas, hop, au revoir là. Hop là, lui il est mort. Bon, c'est déjà ça. C'est ces pylônes là. Non, 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 je veux pas commencer déjà à mourir, moi. Hein. Ça va bien, là, je suis mort assez souvent la dernière fois. D'ailleurs, un peu trop. Ah, ça commence déjà à me prendre la tête. Mais crève, toi! Oh là 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 là, mais c'est ce truc là, ces escaliers, ces pylônes, ça me prend le chou ces trucs là. Ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais ça me bloque tout. C'est mal fait, là ce truc là est plutôt mal fait. Je suis pas mort énormément dans tout le jeu, mais alors là, un escalier et des pylônes et c'est foutu hein. Bon, potion de vie, potion de vie. Potion de vie. Moi, c'est surtout les potions de vie. Oh, il m'énerve, lui. Hop, dégage. C'est bon. Ah, je vais me farcir tous les escaliers encore. Hop là. Ah, on sent quand même que le jeu est... C'est une version quand même, un remake d'un vieux jeu. Parce qu'il est quand même assez casse-pied. Hein. Ah, ils ont fait le remake, mais ils ont aussi profité pour remettre toutes les vacheries, là. Enfin, les défauts. Ah, tiens. Mais si, tu peux... Faut arrêter 5 minutes, là. Bim! Il me refile que des parchemins pour retourner en ville. Voilà, on avance.
Voilà. Bim! On s'en fout de l'arc. Alors par où je peux... Oh là là, 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 encore des escaliers de nous à la noix. C'est bon, ça c'est fait. Je reprends du mana. On va faire l'andouille. Voilà. Wouhou! Eh oh, oh, c'est pas facile. C'est un Elden Ring démon de Souls avant l'heure. Allez! Bon. Il n'y a plus de pylônes, j'espère. Bon. Il y a encore des pylônes. Il y a encore des pylônes! Voilà. Alors, on est sur le bon chemin. Bon, eux encore, ça va, ça passe. Pas encore trop. Sont pas encore trop embêtants, j'arrive encore à les. Voilà. Bim! Ah, il me refile des trucs. C'est un anneau bleu. Un anneau bleu pour tous les contrôler. Voilà, puis je reprends un peu de mana. Ah, les vaches. Ah! Waouh! C'est calme. N'hésite pas à te crever, je te dirai rien, hein? T'inquiète pas, on sera potes, on sera toujours potes, même dans la mort. Je ne peux plus rien porter. Oh, une rune nef! La rune nef. Alors, il y a un truc que je vais pouvoir me débarrasser, ça, on va le jeter. On va le jeter, on va le jeter, je suis un fou. Pourquoi je prends les runes nef d'après vous? Parce que c'est une rune. Et les runes en fait me permettent. Alors je sais pas où elle est passée celle-là. Alors je sais même plus laquelle que c'est. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, c'est une rune comment? Voilà, c'est ça. Et quand j'arriverai à avoir un truc où je pourrais en chasser, je vous dis pas, je serai balèze. Ça va me rapporter de la puissance. Un jour, je vais peut-être le prendre, ça. Bon, on y est presque. Les topazes, c'est bien, mais elle est abîmée, donc bah, elle est abîmée, hein. Comme son nom l'indique, elle est abîmée. Ah non, 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 mais c'est pas vrai! J'en ai marre, j'en ai marre!
Pas en ville. Pas en ville. Pas en ville. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire en ville, toi? Bon, il y a une chose qui est bien, c'est que bah forcément, j'augmente mes points d'expérience. Par contre, mes lives vont durer 15 ans. À cause de ça. Voilà. Et pas un raccourci, non. C'est le chemin le plus utile que j'ai pu trouver. De toute façon, tout ça sera coupé au montage. Eh oui, ça me fait des lives beaucoup moins intéressants. Bah alors, largement moins intéressants, voilà, c'est ça. C'est de ma faute, je suis pas équipé comme il faut. De toute façon, je trouve rien de bien. Et voilà que mon personnage a décidé de marcher au ralenti. Voilà, c'est bien. Elle a repris le turbo. Ah, mon cadavre est là-bas. Mais il y a 3 milliards de monstres! Ah, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui c'est? Regardez, j'ai des petits serpentins au-dessus de la tête. Mais pourquoi? C'est quoi ces petits serpentins? Il y en a un qui me balance des vacheries à chaque fois. J'ai un peu loupé mon corps, il est où mon corps? Il est où? Bah, ah non, c'est bon, je l'ai repris. Ah! Mais parce que j'ai le bâton. Donc forcément, je l'ai repris. Alors, hop, voilà, on se prépare. On évite ces trucs-là. On avale. Je l'ai eu! Ouais! Ah, par contre, il y a une cuirasse. Ouh, il y a une cuirasse! La cuirasse va prendre de 6 blocs. Alors, on va faire un truc. Je vais me mettre là. Parce qu'il faut tester quand même. Ok. Ah. Moi, je veux essayer la cuirasse. La cuicui, la cuicui, la cuicui cuirasse. On va ramasser ça et l'utiliser. Oh, je veux comparer. Oh, j'ai une meilleure défense. Alors, cap, spectre, ok. Amont, hein. Défense meilleure. Résistance, bon, bah, elle est moins. Elle est moins. En fait, elle s'abîme beaucoup plus vite. Force 30, niveau nécessaire 5, bon ça c'est tout ça. La force, ouais, ok. Défense augmentée de 12. Ah, c'est moins bien. Mais j'ai une meilleure résistance au feu. Oh, on va la prendre. Wow. Ça, j'irais bien. J'irais bien vendre ça. Alors, on va aller vendre ce truc-là. Prendre le parchemin de ville. Voilà. Je vais aller faire un petit peu de... un petit peu d'emplette. Je vais me remettre d'aplomb. Si la petite dame est là. Voilà, je viens de te le dire.
Je vais vendre mon bercail. Ah, la petite dame, elle est où ouais? Allez là. Que Non, petite puis-je pour dame! vous? Eh ben, j'ai envie de vendre ça. Voilà. Très bien. J'avais pas assez de sous-sous. Mais elle a dû prendre dans ma cagnotte. On va dire ça. Bah c'est bon, bah on va retourner en ville. J'ai vendu ce que j'avais à vendre. Hop, on va prendre les petites potions qui m'intéressent. La potion de vie, la potion de mana. La vie. La vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah il me semble que c'est bon. J'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Peut-être l'amulette. Voilà. Ah, une amulette que je n'avais point. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Bon, allez. On va avancer dans le jeu. Quiconque cherche le tombeau de Blablabla. Talaria doit Ça y est. On va dans le canyon des mages. Alors, ça sent pas bon, hein. Ça, c'est le tombeau, ok. On s'en fout des flèches. Ça, ok. Il y a des dévoreurs. On dégage les dévoreurs avant. Hein. Bah vous savez quoi? Bah, on va faire un petit peu le tour. Hein. On va faire le tour pour être sûr de ne rien louper. Oh, c'est pas vrai, tu peux pas le louper. Voilà. Le gars, il est juste à côté, j'arrive à le louper. Hop, il y avait de l'or. Boum, boum, boum. Et ça fait bim, bam, boum. Bah pour l'instant, les dévoreurs, c'est plutôt eux qui se font dévorer. Alors. Hello, t'es! Eh, on se calme, hein? Je viens d'arriver, alors me sautez pas dessus. Laissez-moi le temps de respirer, hein. Voilà. Il y a un squelette. Oh, le squelette. T'es marrant, il y a des squelettes, tout ça me refile que des flèches. Je m'en fous, moi, des flèches. Alors, on va faire le tour. Oh, il y a encore des dévoreurs. Il a vu, je l'avais dévoré. Je vais dévorer ses œufs. Bon, bon, bon. Salut les gars! Vous êtes pressés là? Il me court après pour que je les zigouille. Ok, bon, bah on avance, hein, on fait le tour. Oh, arrêtez là. Faux. Si c'est faux, c'est pas vrai alors.
Ah ouais là, oh. Parchemin de portail de retour de... Je le prends toujours, ça peut servir. Alors, hop. On se la joue à la Zelda. On pète les pots. Je ne peux plus rien porter. Bah, on t'a rien demandé, hein. Ok. Bon. Je le prends ou je le prends pas. Ça aurait été de la vie, je l'aurais pris. Oula. Vers le tombeau de Tal Racha. Bon, j'ai trouvé le tombeau. Ah, il y avait quelque chose là, bleu. Il y avait de l'or. Salut, Gio Damned. Excuse-moi si je prononce mal. J'espère que tu vas bien. Tu viens me voir me faire zigouiller. Alors, les barres de vie des ennemis. Ah. C'est vrai que j'ai jamais fait gaffe à ça. Alors on va essayer de voir s'il y a des ennemis, mais je crois qu'il n'y a pas une barre de vie. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui apparaît déjà. Voilà, tu vois, c'est le nom. Là où c'est marqué dévoreur. Voilà, les noms. En fait, c'est ça leur barre de... La barre de vie des ennemis. Tu vois, là, j'ai tapé le dévoreur. Il est... Je viens de taper le broyeur. Sa barre de vie a diminué. Enfin, là où c'est marqué son nom. Voilà, c'est ça la barre de vie. Ah, comment tu fais? Alors, ça doit être dans les options. On va regarder. Alors. Ok. Ah, voilà, parce que là, je viens une fois de temps en temps dans les options, hein, à chaque fois je me gourre. Audio, jeu. Afficher. Ah, tiens, c'est étonnant. Ce n'est point dedans. Ah, bah tiens. Là, tu me poses une bonne question. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu les noms des... Afficher les boutons. J'ai toujours eu ça, moi. Mais ça doit être dans les options, forcément. Sous-titres. Ah bah tiens. Bah voilà, là tu viens de me poser une colle. Après, ça peut être aussi une des touches de la manette, hein. Non, c'est pas ça. Je sais que après, moi je suis sur PlayStation 5, hein. Donc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu les noms d'affichés. Ah, il s'est enfui. Attends, il s'est enfui là. Ah, dégouillé. Je vais refaire un petit tour là-dedans. Ah, pour moi, c'est dans les options, hein. Message reçu. Ok, bon, ça, c'est mes messages. Les options de l'aide, peut-être. Ah, hein, afficher les noms. Se déplacer, compétences. Non, je ne vois rien. Eh ben, si tu trouves et que je suis encore en live, ben, ça m'intéresserait quand même de savoir. Parce que si après, quelqu'un me repose la question... Ah, tu es sur PC. Ah oui, non, mais voilà, peut-être que... Mais je vois pas le... Ce qui pourrait changer. Moi, j'aurais été dans les options.
Ça va direct? Ça a été direct moi dans les options, mais c'est vrai que. Taille de la carte, capacité, afficher le nom des personnages. Vibration, la manette, sous-titre indicateur d'attaque. Ouais, daltonien en son nom, c'est pas ça. Affiche le nombre de l'orbe de vie. Eh bah, tiens! Voilà la question qu'elle est bonne. Non, là, excuse-moi, je ne vois pas. Après, je sais. Sur console, peut-être qu'il y a une chose à faire. Ah bah en tout cas, c'est sûr, c'est pas les touches directionnelles, hein, parce que je viens de me bouffer toute ma barre de vie là. Ok, merci. Sympa de ta part, comme ça au moins je pourrais. Si on me pose la question encore, au moins grâce à toi, je pourrais répondre. Mais là, j'avoue que j'en ai aucune idée. C'est sûr que d'avoir la barre de vie des monstres là, des créatures, c'est bien utile. Là, j'ai appuyé comme un malade sur toutes les touches de la manette. Et j'ai un petit peu perdu ma configuration. Bon, c'est pas grave, c'est revenu. Bon, j'ai vu l'entrée du temple de Ramsha. Hop, on continue à faire un petit peu le ménage dans le coin. Il y a toujours de l'or. C'est quoi ça? Allez, hop, c'est bon à prendre. Youhou! Puis ça aussi. Petit coup de gnôle. Bah c'est plutôt calme, ça va, par rapport à ce qu'on a eu juste avant. Tiens, boum, mange-moi ça. Paf. Je ne peux plus rien porter. Ah, il peut plus rien porter. Hop là, toi non plus, tu peux plus rien porter, vu comment je t'ai dézingué. Bon, bah en fait, j'ai fait le tour, il y a beaucoup de... C'est pour les coffres. Ouh, bonjour messieurs! Je ne peux plus rien porter. Eh ben, c'est un massacre hein, avec les autochtones là. Ça par contre c'est bon à prendre. Oh, une belle statue. Hop, oui. Toi aussi tu veux ta dose? Tiens, t'auras ta dose. Ah oui, j'ai. Ah bah je l'ai plus. J'avais le l'orbe bleu là. J'avais l'orbe bleu sur la tête, ça me permettait d'avoir du mana infini. Paf! Alors ça n'a rien à voir avec les créatures que je suis en train de zigouiller, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Enfin, pour ceux qui regardent mon live, ou qui regardent mon le replay, bah aujourd'hui, dimanche. Dimanche 6. Pour ceux qui verront donc mon replay sur ma chaîne YouTube, bah ça sera trop tard les gars. J'espère que vous y avez pensé. Alors.
Alors, en fait, ici, il faut que je trouve le téléporteur. Il y a un téléporteur dans le coin. Oh, mais il y a du monde là. Je dois trouver de la manière. On t'a déjà dit qu'il fallait pas m'empoisonner. Pilote, il se barre là. Il croit que je l'attends pas. Vous avez déjà vu une créature avec des flèches? Non mais oh. C'est quoi ça? Ah bah c'est là. Et voilà, on a réussi. Alors je vais juste faire un truc. Hop, je vais aller en ville. Je vais aller reprendre un petit coup de gnôle avec la petite dame là. Elle est où la petite dame? Petite dame. Au revoir madame. J'ai ce qu'il faut. C'est vrai que comment on faisait pour... Comment j'ai pu faire pour avoir les barres de vie des ennemis? Sachant que je l'avoue, je l'ai depuis le début. Bon, bah je crois que... On va aller au tombeau! On va aller au tombeau, hein, et puis voilà, hein, ça va être comme ça. Allez, on essaye le tombeau. Alors, j'en suis à combien? Parce que faut pas non plus que mon live dure trop longtemps. Allez, c'est bon, on peut essayer. Bien sûr, il fait noir. Hop, moi je pique l'or. Il y a des zombies. D'accord, c'est des zombies qui puent. Ok. Bah, on va commencer par le haut. Ah. Il y a des fantômes? Oh là là! Ça me laisse le temps de reprendre un peu de mana. Bon, j'en ai eu un. Les autres vont arriver. Voilà. Voilà. Ouais bah déjà Ah là là. Bon. Je suis surchargé. J'ai eu Jack. Je ne peux plus rien porter. Voilà. J'ai eu Jack l'éventreur. Ah ouais, non mais où là? Je dois trouver de la mana. Waouh.
Ça, c'est de l'esquive. Je n'ai pas assez de mana. Dans la vallée. Il s'appelle Gelé. C'est marrant, ça. Gelé. Je suis surchargé. Comme dirait l'autre, je l'ai eu. Je suis surchargé. Ouais, mais c'est quelque chose de bien, ça. Je ne peux plus rien porter. Je ne peux plus rien porter. Bon, bah, elle peut plus rien porter. Eh bah, on va pas non plus l'obliger, hein. Eh là les gars, faut peut-être qu'ils se calment un petit peu là. Y'a trop là. Un coffre. Paf, dégage toi. Alors on va fouiller, hein, un bon coffre. Ouh. Ouh. Plein de trucs que je peux pas utiliser. Alors, potion de vie, potion de mana. Pousse-toi de là. Une braguette en if. Je suis surchargé. Bah bien sûr, t'es toujours surchargé toi. Ah, il y a bien des trucs que je pourrais me débarrasser. Allez, hop, ça, on va se mettre là. On va se débarrasser de ça. Voilà. J'ai trop de ça. C'est quoi ça? Allez hop. Parce que moi, je veux de la mana. Potion, potion. Voilà, c'est bien. Moi, je veux mana et tout ça. Allez, on pète tout. Qu'est-ce que c'est? On pète tout. Ah, tiens, tu m'as envoyé tes vacheries, là, essayer de me tuer. Bon, il n'y avait rien, là. On va aller voir là-bas. Ouh! Il faut un barbecue! Voilà, là il y a eu un petit peu de... T'es pressé de mourir, toi? Ah bah ça va, le mort vivant. On marche dans les flammes. On dit... Je dis rien, moi. Bon. Oh, il y a de la momie. Laissez-moi vivre ma vie. Je vous ai pas embêté, moi. Voilà. Oh, dis donc. Une usine à zombies. Là, ils étaient combien dedans? Je sais pas, mais en tout cas, il y avait du monde. C'était une sacrée fiesta. Bon, bah, il y a rien. On continue à visiter. Hein. Oh, bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Ça c'est fait. D'accord, des fantômes. Il y a des fantômes égyptiens.
fait le tour. On fait le tour. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais le tour? Bah, ça me permet de remonter un peu ma barre de mana. Je dois trouver de la mana. Bah, oui, oui, bah, vas-y, trouve de la mana, moi je te dirai rien. Allez, on tape! Et bon. Bon bah si je vois que c'est trop long. Hop. Mais ils viennent d'où? Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur. Clique.